bonjour à tous et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui avec Tom, mon assistant préféré, sois pas jaloux Céline. Donc aujourd'hui on va à Béville-le-Comte, donc qui est renaît un peu de ses cendres, parce qu'ils ont pas fait d'expo donc lors de la saison 2016. Il n'y en a eu aucune de prévue. Donc là ils sont relancés un peu à l'arrache, on va dire ça comme ça. Parce qu'ils ont lancé le truc il y a à peine un mois pour chercher des exposants. Donc on va un peu dans l'inconnu à ce niveau-là. Après, niveau pub, l'équipe d'Alexandre a plutôt bien géré, donc ils étaient là continuellement pendant un mois, donc il se peut que ça marche bien. Après, de ce que je me souviens, donc de ces bourses-là, c'était plutôt convivial, familial, et toujours une bonne ambiance entre les exposants. Donc ça promet de bonnes choses. Hein. Ça promet de bonnes choses. Après, niveau diversité, je ne sais pas trop ce qu'on va voir, parce que niveau période des repros, c'est pas la bonne période pour une expo. Mais en espérant qu'on ait quand même des surprises, quoi. T'en attends quoi toi un peu Tom? Pas grand chose, juste un peu de diversité pour changer au niveau des bourses quoi, parce que c'est bon, c'est toujours la même chose. Là récemment j'ai fait Reptilion, c'était pas top, donc j'espère être moins déçu par cette bourse et qui par ailleurs est ma première pour celle-là. C'est vrai que oui, c'est la première fois que je t'emmène. Bon, après, ça s'est décidé un peu rapidement aussi. Hein. Parce que bon, c'était pas pour, j'avais pas prévu ça dans l'optique, mais après, bon, on a vu qu'on est à côté, autant en profiter quoi. Mais après, comparé à Reptilion, oui, c'est que après, Reptilion, c'est plus une expo insectes et reptiles. Donc, c'est vrai que c'est un peu un style différent. Puis bon, après, quand on voit le prix pour un exposant, c'est pas le même non plus. À savoir donc que Reptilion, pour un exposant, c'est 30 euros le mètre. À titre indicatif, Arras, c'est 25 euros le mètre. Ouais. Donc c'est déjà plus cher. Et bon, après, si les salles sont plus petites qu'Arras, après, voilà, c'est, bon, les coûts dépendent pas forcément de la qualité de l'expo pour un exposant. Les coûts dépendent principalement des organisateurs et de la salle, du prix qui la loue. Quoi. Parce qu'une salle revient très cher, surtout à Lyon. Ouais. Donc après, voilà, pour. C'est un frein qui peut faire que certains exposants n'y aillent pas. Ah bah c'est sûr, ils se sont retrouvés, le Reptilion, c'était plus vraiment le Reptilion parce qu'il n'y avait que 5 vendeurs de reptiles. Donc, ah oui, 5 vendeurs de reptiles. 5 vendeurs ou exposantes de reptiles. Donc, ah oui, ouais. Et le reste, pas forcément des grands noms non plus. Non, et voilà, le reste des insectes. Des insectes, de l'entomologie, et puis voilà quoi. Bah, à savoir qu'aussi cette période là c'était plus, c'était pas reptilion là-bas, c'était plus papillon. Exact. Donc normal que les vendeurs d'insectes soient au rendez-vous, comme c'est un peu leur rendez-vous à eux. Ouais. Mais c'est vrai que faire passer ça en reptilion et qu'en fin de compte il y a 5 exposants de reptiles, alors je sais pas combien payer les visiteurs la place. Cher apparemment quand même. Ah ouais? Ouais, c'est entre les 7 et 8 euros. Ah oui, donc même un peu plus cher qu'Arras, parce que Arras c'est 7 euros, donc si ils mettent à 8, c'est un peu plus cher. Ouais. Pas de grand chose, mais voilà, c'est, pour voir que ça, pour du passionné de reptiles, c'est un coup à perdre quasiment, pour un des organisateurs, c'est un coup à perdre leur clientèle, quoi, leur fidèle. Quoi. Parce que c'est vrai que ceux qui viennent chercher du reptile et qui se retrouvent avec des insectes, après ils peuvent apprendre des choses. Hein. C'est pas exclu non plus, mais ça a de quoi les dégoûter un peu puis faire une image un peu négative de l'événement. Quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu dommage, c'est comme toutes les bourses qui sont aquariophilie, terrariophilie, les deux en même temps dans la même salle, souvent ça marche pas forcément des masses. Ouais. Et ça a été prouvé, donc ça joue sur les deux. Alors soit il y a un côté qui marche mieux que l'autre, donc c'est pas évident quoi. Mais ouais, après voilà, quand la salle est pas trop chère pour l'organisateur, il y a un moyen de rentabiliser un peu le truc pour eux et de faire que ça marche. Mais quand c'est à 30 euros le mètre linéaire pour un exposant et en même temps les visiteurs qui payent 8 euros, c'est beaucoup plus difficile à jouer quoi. Largement plus difficile. Parce que les exposants, il faut attirer les grands noms, et les grands noms qui s'ils sont dans le nord, ils vont pas venir se taper tant de kilomètres. Parce qu'à savoir, pour un exposant quand même, il y a le trajet à payer, l'essence, l'autoroute. Voilà, s'il y a des chaufferettes pour les animaux à mettre aussi, il faut les payer, même si c'est pas le plus cher non plus, mais ça fait un coup et si c'est pour aller là-bas et ne rien vendre, ça vaut pas spécialement le coup, à part s'ils ont une espèce assez difficile à trouver en terrario qui coûte 300 balles, là ils peuvent s'y retrouver. Ouais. Et si c'est pour y aller et vendre de la gutte à 20 balles, ça les intéresse pas les grands noms, donc c'est normal. C'est normal. C'est dommage pour Reptilion au passage. Ouais. C'est dommage.
Moi au début, quand Céline m'en a parlé, je pensais y faire un tour en tant qu'exposant avec un petit stand de 3 mètres comme j'en ai l'habitude. Hein. Mais je connaissais déjà un peu le tarif du péage, donc je savais déjà que j'allais douiller à ce niveau-là. Ouais. Et quand Céline m'a dit donc 30 euros le mètre, ça m'a calmé direct. Hein. Ouais, c'est clair. Ça calme vraiment et puis. Voilà, quand c'est 30 euros le mètre, quoi. Il faut les rentabiliser et c'est pas évident. Pour un exposant, c'est pas évident. Après, pour du visiteur, ceux qui se déplacent, c'est vrai qu'ils aiment bien voir de la diversité parce que c'est vrai que c'est pour voir du Jego, du PR, de la Gute. Enfin bon, c'est pour voir des classiques. Enfin, même si c'est pas du classique dans la mutation, hein, mais juste pour voir des animaux qu'on voit tout le temps, que même en animalerie, on se déplace, on les voit. Bah, les gens, ça les intéresse plus que ça, quoi. Et ils veulent qu'on leur en mette plein la vue, quoi, en quelque sorte. Même si c'est que pour de l'expo, donc des fois, est-ce que baisser le tarif du mètre linéaire ou baisser le tarif d'entrée ne fait pas que ça ramène plus de visiteurs. Pour prendre un comparatif, je prendrai un comparatif la bourse l'expo de Waterloo, qui d'ailleurs n'est pas une bourse, c'est bien une expo. Donc ils font insectes et reptiles. Mais les exposants, c'est gratuit. Après, les visiteurs, c'est gratuit. Déjà, ça, c'est vraiment un bon bénéfice, quoi. Puis même les exposants, ils ont des repas offerts par l'association. Donc là-dessus, ils sont même gagnants. Donc ils ont juste l'essence, leur trajet à payer, quoi. Donc c'est plus facile pour eux de rentabiliser. Puis au final, il y a plus de monde qui vient. C'est bon, quand c'est gratuit, il faut plus de monde qui vient. C'est un peu logique. Mais bon, donc voilà. Donc c'est après, est-ce que des prix surélevés ne cassent pas justement ces événements-là, quoi. Ouais, c'est un peu... Après qu'un événement, par exemple, comme je vois certaines expos qui marchent bien avec le temps et qui veulent se développer, qui je les vois augmenter leur prix du mètre linéaire de 1 ou 2 euros, ou de faire payer l'électricité, ou d'augmenter le prix du visiteur aussi, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que ils se développent et puis ils ont leur renommée qui va avec. Donc on sait que même s'ils augmentent un tout petit peu, le public sera quand même au rendez-vous, les grands éleveurs, les éleveurs qui sont allés ou les vendeurs qui sont allés en exposant aiment bien aiment bien l'expo, quoi. Donc ils reviendront quoi qu'il arrive pour 1 ou 2 euros de plus, ils sont prêts à faire l'effort. Mais quand on a une exposition qui n'a pas trop de renommée et qui a déjà des tarifs élevés, ça picote, quoi. Bah, comme l'exemple dont je te parlais tout à l'heure, Tom, hors caméra, c'est l'exemple de Troyes qui va lancer donc sa première bourse. Bon, on se retrouve déjà à 15 euros le mètre linéaire. Pour comparer, Béville-le-Comte, là c'est aussi 15 euros le mètre linéaire. Mais Béville-le-Comte, à savoir qu'ils ont quelques années de bourse devant eux, donc derrière eux plutôt. Donc ils ont déjà fait leur renommée, ils ont déjà fait leur preuve. Donc voilà, ils méritent de monter le tarif. Tandis que là, quand on démarre une première bourse et qu'on a 15 euros le mètre, des exposants comme moi, ça les refroidit direct. Après, des professionnels, si on veut du vendeur pur qui eux ont leur société, 15 euros le mètre comparé à Arras, c'est rien pour eux. Puis après, le trajet, ils arrivent forcément à rentabiliser quelque part. Donc voilà, quoi. Donc, c'est un peu le problème de certaines courses, quoi. Mais bon, chaque organisation est différente. Il y en a, c'est des associations, et il y en a, c'est des sociétés qui organisent. Donc c'est un peu différent. D'autres choses à rajouter, peut-être, Tom? Non. Non, rien du tout. C'est peut-être le petit déj. Bon bah vu qu'il n'y a rien à rajouter, bah on va vous laisser avec quelques images donc tournées par Tom sur l'événement. Donc il va tourner sur les deux jours, hein, comme ça vous pourrez voir un petit peu tous les stands. Alors pas d'interview prévue parce que bon j'aime pas trop embêter les collègues exposants pendant qu'ils essaient de faire un peu leur travail. J'ai pas puis lâcher mon stand aussi pour pouvoir les faire, j'ai pas franchement le matos non plus. Donc il n'y aura pas d'interview pour ce coup-là, mais au moins une petite visite de la bourse et puis comme ça vous pourrez vous rendre un peu compte de ce que c'est Béville-le-Comte. Donc bah, on se dit à tout à l'heure pour une petite conclusion et puis, bonne visite. À toutes.
commander un beefsteak. Thank you.
pour la suite de cette vidéo. Donc j'espère que la balade vous a plu. Si la balade vous a pas plu, vous mettez un pouce rouge sur la chaîne YouTube de Tom. Hein. As-tu une chaîne YouTube? Non, c'est très bien. Bon, mettez quand même un pouce rouge dessus. On essaie de filmer au mieux les animaux et tout, donc on a eu un peu de temps pour le faire. Donc c'est tant mieux quoi. Sinon toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette bourse exactement? La bourse plutôt pas mal. Les gens étaient présents, il y avait des insectes, il y avait des bestiaux, mais les gens, ils étaient où les gens? Là c'est vrai que sur ce coup-là, niveau fréquentation, faut dire c'est ce qui est, la bourse a été lancée à l'inscription des exposants, la pub et tout, il y a un mois. Autant dire qu'au niveau délai, on s'était un peu précipité, que l'organisateur l'a reconnu lui-même. Donc après ils vont refaire celle d'octobre, mais ils vont prévenir plus longtemps à l'avance. Hein. Donc ça serait pas mal, mais contrairement aux années précédentes, oui. Après, il y a eu un petit paradoxe aussi, c'est qu'on n'a pas eu énormément de visiteurs, mais certains exposants ont fait du bénéfice plus que sur certaines bourses mieux fréquentées. Donc ça a été un peu à double tranchant, un peu paradoxal. Même pour moi qui est plutôt bien vendu, on va dire ce qu'il y a, hein. Ce qui est un coup rare aussi, quoi. Donc c'est assez paradoxal. Bon, si pour 7 octobre ça pouvait être avec plein de monde et qu'on fasse plein de ventes, voilà quoi, ça peut rentabiliser au moins nos stands, ce serait pas mal. Mais après niveau diversité, qu'est-ce que t'en as pensé, diversité des espèces? Diversité des espèces, il y avait comment elle s'appelle là où il y avait le calotte. Soriana? Non. Justement avec l'organisateur de la course. Animaux exotiques. Ouais, les animaux exotiques qui ont amené pas mal d'espèces peu courantes, comme malheureusement que je cherchais depuis pas mal d'années, calotema. Et malheureusement, je tombe dessus, mais j'ai plus de place à la maison. C'est con, mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère quand j'aurai aménagé un peu mieux ma chambre, que j'aurai mis mes anines, tout ça, que j'aurai un peu plus de place, de les retrouver et pouvoir acheter à nouveau les calottes. Espèce arboricole, donc flexarium, 90 d'eau. Moi c'est plus de place sur la hauteur qu'en fin de compte que sur la. 62 large quand même. Ah, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais c'est toujours comme ça avec les bourses, on s'attend pas à trouver l'espace qu'on cherche et on tombe dessus quand on a plus la place. C'est un peu le bordel. Et on essaie de pas craquer. C'est pas évident non plus. C'est clair. Pas évident. Niveau diversité, moi j'ai eu le temps de faire quand même un petit tour parce que j'ai eu des amis qui sont passés, donc on a fait une petite visite un peu, sinon on avait plus qu'il était rarement au stand. Dans l'ensemble, niveau tortue, il y avait quand même pas mal. Pas de tortue aquatique, mais moi j'en ai pas vu. C'est quand même dommage un petit peu parce que par les temps qui courent, à la température et tout, pour de l'exotique c'est parfait, ou même de la tortue américaine comme Cernotherus carinatus, ça aurait été pas mal quoi. Mais bon, les animaux exotiques qu'on avait déjà proposé il y a quelques années, ils avaient proposé de la Moribus nevis. Mais sinon voilà, c'est comme quoi c'est bien casse-couille à transporter les tortues aquatiques. Parce que moi quand j'ai fait la bande de voie trop l'eau, la voiture était vraiment pleine et puis il faut surveiller les températures de l'eau dans lesquelles elles sont dedans, coller de la chauffe-là de l'eau, donc c'est pas forcément évident. Amener en bourse c'est pas évident. Amener les adultes en bourse et surtout les petits sont beaucoup plus fragiles, donc c'est pas forcément évident non plus. C'est notre diversité, niveau pas mal non plus. Bon, après il y avait Tarao Center qui était là pour ça aussi. Quand même pas mal de gecko, parce qu'il y avait Reptile et le gecko, il y avait moi qu'on avait également. Il y a plusieurs exposants du gecko, il y en avait encore deux autres dont je connais pas forcément les noms. Il y avait un peu de gecko à crête également. C'était bon. Il y avait un peu de tout. Il y avait un peu d'insectes également, enfin d'insectes. Pas du comestible ou des insectes pour donner à bouffer, mais il y avait les deux. Il y avait insectes à bouffer, il y avait insectes pour donner à bouffer aux reptiles, et il y avait de l'insecte comme les phasmes, les mantes, trucs comme ça. Il y avait pas mal d'arthropodes. C'était assez représentatif. Bon, après c'est vrai que ça devient pas mal à la mode et maintenant les petits terrains de 20 par 20 qui ne vendaient pas forcément à l'époque sont devenus de plus en plus demandés. Donc comme quoi surtout que les marques ont arrêté les productions. Ce Exoterra n'en fait plus. Et c'était à Quatlantis, je crois qu'on faisait, ou Terra Atlantis, un truc comme ça. Ils en font plus non plus. Donc c'est une vraie galère à trouver.
on a retrouvé un petit peu quoi. Après, ouais, niveau terrain, il n'y a pas trop de diversité. Bon, t'as niveau exotique, il avait quand même fait un peu ramener un peu de matos quoi, au niveau terrain. Sylvain en avait ramené aussi. Donc c'est vrai que c'est, c'était pas mal quoi. Mais bon, il n'y avait pas de tout, on a pu trouver du matos en plus d'occasion. Alors à titre informatique, moi j'ai acheté un thermostat à Pista, à Matsat, à 30 balles quoi. On les trouve facilement vers 45,9€ à peu près. Donc, ouais, bah un peu plus même. Ça dépend du vendeur. Moi chez Sylvain, je sais que c'était pas loin de 45€. Ouais. Donc c'est, ça reste un prix abordable à 45€ vu, la fiabilité du matériel. Oui. Mais trouver à 30€, ça m'étonnait que son deuxième il parte pas dans la journée quoi. Donc voilà, après du matos d'occasion c'est pratique, ça peut resservir, c'est souvent de la qualité, donc faut pas hésiter. Comme les terras d'occasion, il y en avait aussi, parce que les ouais. terras qu'ils vendaient c'était d'occasion, ils vendaient AirTech, le AirTech est pas resté longtemps. Hein. Ouais, c'est clair. Et voilà, bon après quand on connaît le prix du neuf en AirTech et d'un d'occasion, ça change beaucoup la donne. Donc voilà quoi, donc c'était vraiment pas mal, après pour du matos c'est pas mal, il y avait Reynald aux insectes. Donc c'était vraiment sympa, il avait vraiment de la bonne qualité. Hein. Parce ouais. que moi les tennes de ruche, on trouve beaucoup des petites tennes de ruche, là c'était vraiment du mastoc. Et sachant que bah, les geckos léopards, la femelle a pondu il y a jeudi dernier, elle adorait. Hein. Même le mâle qui mangeait plus et qui s'est remis à manger quoi. Donc c'était vraiment sympa. Les grillons étaient en pleine forme, parce que certains se sont évadés de certaines boîtes. Hein, La bourse était envahie de grillons. Ah oui, on en avait partout. Bah, pas non plus pas des montagnes de grillons, mais on en retrouvait facilement 3-4 sur le stand quoi. Ouais. Alors on essayait de les chasser un petit peu quoi. Mais oh, c'était assez sympa, j'ai pu en mettre avec les geckos léopards dans le rack, dans le rack de présentation, donc c'était vraiment sympa. Après ouais, niveau bourse, niveau vente, bah, j'ai vendu quelques petits trucs. Donc notamment des trucs pour Amandine, donc c'est sympa. Une gecko léopard donc, qui est parti également. Ma première année, donc bon, bah, beaucoup de nostalgie, un forfait larmes illimité, tout ça le samedi soir. Mais au final, voilà, j'ai quand même trouvé une famille qui est dans les critères que je voulais. Bon, c'est un peu une famille au petit bonheur la chance, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas une famille qu'on s'attend à rencontrer. Alors c'est un couple qui est venu une fois, ils ont pris quelques infos, ils sont partis sur d'autres stands, ils sont revenus après une deuxième fois, ils ont repris des infos. Ils sont repartis sur les autres stands, après ils sont revenus la troisième fois et on la prend. Voilà, ils étaient sûrs, mademoiselle avait craqué sur celle-là et pas sa sœur. Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir déjà que c'est quand il y a un coup de cœur, on sait que l'animal va être aimé quoi. Bon, même si l'animal en fait il s'en fout, il nous aime pas plus en retour, mais voilà, je savais qu'elle allait être aimée, c'est le principal. Après je voulais vraiment aussi qu'elle ait de bonnes installations. Et j'ai donné donc des conseils en ce sens-là et j'ai vu que tout de suite ça a été suivi. J'aurais dit le maître de l'excavator, ils ont été en acheter. Là je leur ai dit aujourd'hui comme ils m'ont envoyé des petites nouvelles, donc c'était vraiment si sympa. Je m'attendais pas à en avoir si tôt, mais j'ai eu des photos et je leur ai dit voilà, faut mettre un bouchon de calcium. La réponse ça a été demain c'est fait. Voilà, ça c'est le genre de réponse qu'on aime avoir. Voilà, c'est. C'est vrai, je suis triste de l'avoir vendu parce que je me suis attaché en 7 mois, quoi, puis c'est la première naissance, puis j'ai eu la nostalgie de repenser à son jour où il est né, quoi. Mais au final, quand on trouve une famille comme ça, qui fait vraiment le bien pour l'animal, machin, voilà, on sait qu'on est bien tombé, donc c'est appréciable aussi. Bon, il me reste la petite deuxième qui est juste à côté, là, bon, elle est peinard, hein. Elle est pépère. Voilà, donc elle sera présentée sur les prochaines bourses, et puis les petits bébés qui naîtront par la suite aussi, quoi. Donc espérons que ça se passe bien aussi. Puis voilà, sinon après espérons que les autres bourses aussi me permettent de vendre un petit peu, parce que si je vends c'est pas pour faire du bénéf. Hein. J'en fais jamais de toute façon. Le but c'est de rentabiliser, enfin de pouvoir financer mes voyages pour continuer à informer les gens quoi. Parce qu'il y a quand même du boulot et voilà. Après j'aime pas demander les dons non plus comme font certaines associations. Voilà, c'est un truc que j'aime pas trop. Après sur cette bourse, le seul point noir que j'ai, alors pour l'instant ça reste de l'hypothèse on va dire, même si ça m'énerve un peu, c'est que j'avais une paire de ciseaux qui m'a servi pour le stand et qui me sert tout le temps. Et je l'ai mis dans la boîte polystyrène avant de partir donc le samedi soir, j'ai mis dans la boîte polystyrène qui contenait donc les geckos léopards que j'ai laissé dans la salle pour la nuit. Et ben, au moment de ranger, je les retrouve plus. Donc il y a deux solutions, soit je l'ai changé de place sans m'en rendre compte et donc faut que je fouille plutôt de mes valettes pour la retrouver, soit on a été fouillé carrément dans mes affaires, soit peut-être pour me l'emprunter ou pas et on me l'a pas rendu et voilà c'est. Alors qu'on me vole quelque chose, bon
On m'a déjà volé des stylos, voilà, ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça. Voilà, il y en a qui ont pas d'éthique, ça arrive. Mais qu'on vienne fouiller dans mes affaires, ça, j'ai horreur de ça. Surtout que voilà, moi, il y en a, c'est ceux qui sont autour de moi, souvent, c'est des sociétés. Ils peuvent se payer une paire de ciseaux. Moi, je suis particulier, je vais pas m'acheter du matos tout le temps pour ce qui me le pique, quoi. Donc voilà, donc je vais fouiller quand même mes mallettes, je mettrai un message si on me l'a vraiment volé ou pas. Mettons, je peux la retrouver, elle a peut-être été déplacée, quoi. Donc voilà, mais bon, ça m'énerve un petit peu, c'est le seul point noir que j'ai, on va dire. Hein. Ouais, le fait qu'il y ait beaucoup de visiteurs, mais bon, ça, c'est une explication. Surtout qu'il y avait les geckos qui étaient là. Voilà, il n'y avait pas que les miens, il y avait une des miennes qui était restée, parce que ma femelle est partie le samedi. Mais j'avais les geckos de Sylvain, donc il y en a. Il suffit, c'était super simple pour une personne hors du stand d'ouvrir la boîte d'un gecko, la laisser ouverte et prendre le gecko, la mettre dans une autre boîte à lui, la mettre sur son stand. Hein. Ouais. Ça, c'est des trucs qui ont déjà été vus par le passé. Voilà, c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, après, c'est pas la faute des organisateurs, c'est juste à moi maintenant de me dire voilà, bah, je laisserai plus rien, je laisserai plus mes animaux sur le stand. Si on pique déjà un objet, on pourra piquer un animal, quoi. Surtout que j'étais assez malin pour ce coup-là, c'est que j'ai pas laissé son dossier d'adoption avec les clés USB et tout sur place. Je l'ai pris avec moi. Et ça, c'est un truc que je ferai toujours, quoi. Donc voilà, donc seul point noir. T'as quoi comme point noir, toi, au niveau de la bourse? Pas grand-chose. Pas grand-chose, non. Bon, positif aussi, les insectes, hein, parce que j'ai... Bon, après, moi, les insectes, c'était un peu spécial niveau prix, parce que Reynald me connaît en tant qu'exploitant depuis quelques temps déjà. Il a une tortue qui vient de chez moi, donc une tortue que j'ai eu en sauvetage par l'association Dans les lieux reptiles, où j'ai tout financé sans être remboursé ni rien, donc j'ai même fait un dossier, j'ai même soigné. Il a récupéré, il en est très heureux, donc et voilà, il m'a fait un petit prix là-dessus. Et comme il bradait à la fin de la bourse certains insectes, j'en ai pu en profiter aussi. Même si ça me fait une baisse de prix, lui au moins il a pu en vendre un peu plus que prévu et c'est mieux pour lui, quoi. C'est vrai que bon, quand on vend des insectes, à savoir que c'est, si on vend pas, c'est soit on a notre bourse le week-end prochain et les insectes peuvent tenir, soit ils tiennent pas et c'est de la perte. Et voilà, c'est à recommander pour revendre et avoir un temps de perte, c'est dur. C'est très dur, quoi. Surtout pour un vendeur d'insectes, parce que quand on vend des animaux, des reptiles, à savoir qu'on les ramène, on les remet dans leurs installs et c'est plié. Hein. Ils iront très bien et puis voilà, quoi. Donc c'est pour ça. Donc ça me fait plaisir d'aider qui mène un temps dans un sens, quoi. Après, il y a une solidarité aussi entre exposants, donc voilà. Voilà, donc sinon, après, en point positif, ouais, l'organisation qui était vraiment au top aussi, comme d'habitude, ça a comblé un peu le manque de délai de pub et tout, quoi. Donc, bon, espérons qu'au top ce sera bon, quoi. Espérons. Sinon, la prochaine bourse où je serai présent, alors ce sera la bourse reptile de Laval. Donc ce sera dans à peine un mois, quoi. Donc alors là, ça sera pas le dimanche comme ça se fait d'habitude, parce qu'ils n'ont pas la salle, ça sera le samedi. Donc c'est un peu spécial. Donc je vais essayer normalement de me déplacer chez Sylvain d'Onios Concept le vendredi soir. Et normalement on devrait tourner donc la vidéo de la bourse, si j'ai le temps de faire quelque chose, donc je pense que oui. Et on fera aussi une petite vidéo, alors j'essaierai de faire, si je peux, deux vidéos, voire trois avec lui, de présentation d'espèces sur ces serpents, parce qu'on avait fait une vidéo chez lui, j'ai eu un petit peu de retour négatif à cause du néon de chez lui qui avait gêné la luminosité de la caméra et tout. Et j'avais pas ce micro là, donc on était assez loin. Là, je veux tourner une vidéo plus près, dans un style différent et plus ciblé sur les espèces. Parce qu'il y a des espèces qu'on ne voit pas forcément partout. Bon, il y a quand même des espèces un peu comme communes, un peu comme le rajus, le bronc, l'hétérodon asiacus aussi. On commence à revoir un peu plus. Mais il a un nom d'un serpent asiatique, un nom imprononçable. Donc faire une petite vidéo dessus, ça peut être sympa. En plus, il a une ponte de rajus, donc filmer un peu les œufs, voir la taille, parce que certains ne se rendent pas forcément compte. Pas Python Régus, Python Bronders, mais pardon. Donc il a une pompe, donc à voir, quoi. À voir. Donc voilà. Un petit mot à dire avant la fin? Bah, quant à moi, je serai présent à Arras. Voilà, encore avec moi. Enfin, avec moi dans la voiture. À la fois avec lui sur le stand et à la fois sur le stand de Céline qui. Snailicadus. Qui sera là pour vendre ses reproductions d'escargots géants d'Afrique. Voilà, donc diverses espèces, du lourd de prévu. Hein, ouais, sur le stand. Ouais, pas mal. Un grain de folie là, c'est.
l'inscription de Il y a pas mal de pontes prometteurs, donc en espérant que les petits soient prêts pour cette bourse. Et puis voilà. Qu'ils soient aussi prêts, qu'ils soient aussi beaux que les parents. Parce que bon, généralement, ils sont souvent aussi beaux. Après, c'est l'escargot de qualité. C'est ça. Donc si vous êtes fan d'escargot africain, Arras, le 25 juin, stand Snegli Cavus, vous aurez votre bonheur. Tout à fait. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, puis on se dit à la plus tard, donc soit à Laval, soit ailleurs, il n'y a pas de souci. À bientôt.